Maurice Actu et notre cher président par intérim, son excellence, monsieur Paramasivam Pillai-Vaiapuri, avons fait le déplacement à l'occasion de l'inauguration du centre Frère René Guillemin au H, qui a eu lieu le mardi 4 décembre à Pamplemousse. Nous notons la présence de monsieur Gérard et madame Faiz, parents du défunt René Guillemin, ainsi qu'une délégation internationale de l'ordre hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu. On parle de durabilité pour notre société, des familles et des citoyens en bonne santé, employables pour subvenir à leurs besoins afin de s'épanouir et prospérer au fil des années. Et si nous n'agissons pas tout de suite, M. Nicolas Maigrot nous dit: c'est toute la société qui sera gangrénée par ce fléau, avec des milliers de familles en détresse. Quelle génération allons-nous donc produire pour le futur de notre île? Quel avenir durable? Nous saluons par conséquence le travail de longue haleine accompli par le centre d'accueil de Terre-Eau, le CATR, durant toutes ces années, avec les moyens du bord. Il souligne la contribution des employés de Terra qui se sont impliqués dans ce combat. Le CATR est allé rechercher l'expertise de l'ordre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu pour ce projet. Ainsi, deux professionnels ont été délégués de cet ordre pour venir diriger et offrir des soins, un accompagnement et des programmes de prévention à l'intention des jeunes mauriciens. Monsieur Maigrot a salué les forces de l'ordre et la sensibilisation à travers l'éducation. C'est un travail remarquable, certes, mais le gouvernement seul ne pourra tout accomplir dans cette lutte. L'association du groupe Terra Foundation offrira les services aux ONG pour toute aide administrative et financière à travers les nouvelles mesures du CSR. Ce combat ne peut être mené seul. Ce sont toutes les parties concernées qui doivent s'unir pour trouver des solutions. Nous sommes dans un monde où ce symbole, ce matin, ce que nous entreprenons ici, parle très fort. Ce que je voudrais simplement dire ce matin, c'est que ce qui me touche beaucoup, c'est que nous sommes en train de vivre cela avec comme toile de fond. Un monde où tous les pouvoirs politiques, culturels et autres autorités sociales sont persuadés aujourd'hui devant l'ampleur des catastrophes qui menacent notre monde sous toutes les formes. C'est la réponse paniquée à une situation qui semble nous faire de plus en plus peur parce que aucune de nos théories, aucune de nos analyses ne tiennent devant ce qui est en train de se passer. Si on oublie son cœur, partout où nous allons, les gens semblent dépassés parce qu'on ne laisse pas parler son cœur. Alors je dis aujourd'hui merci à tous ceux qui croient, même si ça peut paraître une petite goutte d'eau par rapport à l'immensité du problème, parce qu'on n'arrête pas de dénoncer l'immensité de ce problème qui s'est levé avec la drogue, et surtout la drogue synthétique. Et peut-être que ce que nous entreprenons ici, sous cette tente, dans cette petite chose, peut paraître une minuscule goutte d'eau. Mais je pense que le monde aujourd'hui sera sauvé par cette minuscule goutte d'eau que moi j'appelle aujourd'hui des semences de résurrection. Nous sommes tous appelés à être des semeurs de résurrection, car c'est là que se trouve le futur de notre humanité. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Évangile. Alors je souhaite que ce que nous faisons ici, même si ça paraît minuscule, est vraiment la porte ouverte sur une espérance tout à fait
adéquate en cette période d'avant qui nous ouvre justement à une fête de l'espérance qui nous aide à préparer la fête de Noël. Alors merci d'être solidaires dans ce grand mouvement d'espérance. Et ici, en ce qui nous concerne, ici à Maurice, il y a une épidémie. Parce que ça se répand. C'est ce qu'on constate avec beaucoup d'inquiétude. Avec un produit à plus bon marché et plus facilement disponible, les drogues de synthèse, c'est comme une épidémie qui s'épand. Et donc, c'est avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup d'espoir que l'on accueille les frères de l'Ordre hospitalier Saint-Jean de Dieu à collaborer avec le centre d'accueil de Terre Rouge pour nous aider à contrecarrer ce problème. Notre cher président nous laisse entendre qu'il nous faudra suivre les trois pôles qui sont l'écoute, l'accompagnement et la réinsertion pour nos jeunes Mauriciens. Et il faudra surtout les éduquer et les responsabiliser pour leur propre vie et leur propre santé. Il y a le respect de la personne, la compréhension et bien sûr la spiritualité. Il précise qu'il n'y a pas que le bien-être matérialistique, mais le bien-être de l'esprit. Et je peux vous assurer de mon engagement personnel auprès de votre action. Merci de votre attention. Maurice Actu vous laisse sur ces quelques paroles de Madame Faze, sœur du défunt René Guillemin, et nous terminons cette visite sur quelques plans de la cérémonie d'inauguration. Au nom de toute notre famille, nous vous adressons notre reconnaissance pour permettre à notre frère de continuer à vivre au milieu de ses amis mauriciens. Ce centre s'épanouisse et accueille les personnes en difficulté dont frère René assurait leur protection.